Voilà, donc on est encore un peu en route. Je vais vous montrer le point de vue. On juste d'être au-dessus, voilà. Donc voilà, toujours les plages, bon voilà. Là, elle est remplie d'herbes, celle-là, d'algues. Je pense pas qu'on entende le bruit des vagues. Je dois être un peu trop loin. Donc, il y a Jean-Pierre qui arrive derrière, là. José s'est arrêté pour faire des photos, Pietro aussi. Je vais en faire une petite. Puis après on va reprendre le chemin parce qu'à force de s'arrêter on n'avance pas beaucoup quand même. On va arriver tard je pense. Et les places à l'alberg sont chères. Donc ben voilà. Hein? C'est le rat devant. Un pèlerin ou c'est un pêcheur? Ils sont deux, regarde bien. Hein? Ah, ils ont dû aller haut. Les deux. Ah, là, les deux piquets. Les deux. Oui, les rameaux. Ah, ouais, peut-être. Il y en a deux, je sais pas ce qu'il est parti pêcher, le mec là-bas. Ouais. Bon, ça va, au moins il fait pas chaud. Il pleut pas, il fait pas chaud. Pourtant, je m'étais couvert ce matin. J'avais mis la pèlerine. J'ai mis le couvre-sac puis je ne l'ai pas enlevé. Il est bien sous le sac, on ne sait jamais. Par contre, j'ai enlevé la tenue de pluie parce qu'on étouffe dessous. Et tant que ça reste comme ça, bon, ça va. Elle fait pas propre hein, comme plage quand même. Hein. Ouais. Ouais. J'ai bouffé pas mal de crans sous les godasses en fait. Et puis ça fait que bah, je sens beaucoup plus les cailloux maintenant. C'est sûr, elles ont 1300 km les chaussures. C'est rare qu'il y ait une paire de chaussures quand même qui fasse tout le chemin. Les Allemands ont des bonnes marques de chaussures. Loa. C'est des chaussures qui sont vraiment costauds. Putain, ça sent vachement hein, quand même. Hein. Ça sent vachement. Hein. L'iode. Hein. Bon, ben je coupe.